Salut à toutes et à tous, et on est heureux évidemment de vous retrouver dans ce City of Manchester Stadium, dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. Et tout de suite, on se retrouve pour ce quart de finale retour de la compétition, Manchester City contre le Sporting Portugal. Manchester City reste sur un bon résultat à l'aller. Il y a une avance d'un but avant le retour, mais ce n'est pas suffisant. À ce niveau, ça ne compte presque pas. Il faut tout donner au match retour. Jetons un œil sur la compo de Manchester City. Titulaire dans le but, Ederson. Aymeric Laporte avec Manuel Akanji en défense centrale. Gundogan sera associé à Kevin De Bruyne au milieu. Et en attaque, Erling Haaland. Le 11 du Sporting Portugal. Pas mal de convictions sur le rôle des pistons dans cette formation 5-2-3. Ça annonce un duel très intéressant, une volonté de passer par les côtés. C'est parti ici, Manchester City donne le coup d'envoi. Le ballon pour Jack Grealish. Gundogan ! Eh oui, le bon réflexe. Il est joué court. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface. Mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils ne sont pas contents. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. On va parler d'Erling Haaland. Avec lui, il se passe toujours quelque chose sur le terrain. Difficile évidemment de ne pas remarquer le géant norvégien. Ça va être très difficile de l'arrêter. Très difficile. Son état de forme est extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas que le record de but tombe bientôt. Ah, la prise de balle est impeccable. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oh, Ederson, et quel miracle ! Haaland. Ah, la défense est battue. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue.
Foden qui s'applique. Un corner mal tiré et c'est facilement capté par le gardien. Grealish à la réception. Attention là, c'est Haaland. Intervention du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Bonne intervention pour éloigner le danger. La défense éloigne le danger sur ce corner. Grealish à la réception. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. La défense peine à redescendre sur ce contre. La contre-attaque est très bien menée, mais comme souvent, ça échoue pour pas grand-chose. Tout était... bien joué dans cette séquence. De Bruyne. Walker. La faute, mais ça joue. Avantage pour City. Là, il avance. Phil Foden. Il prend sa chance de loin. Mais c'est capté tranquillement au final. Le ballon intéressant. Et le danger toujours. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe, tellement elle maîtrise son sujet. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en retour. Un 0 donc au tableau d'affichage. Ça sort, c'est une touche pour City. Récupération du ballon. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant vers ses partenaires dans la surface. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Le centre vers ses partenaires en pleine surface de réparation. Le centre est détourné par la défense. L'arbitre laisse l'avantage pour City. Une bonne contre-attaque peut-être. Attention à cette passe. Phil Foden reçoit le ballon. Le ballon pour Gundogan. Phil Foden, c'est vraiment dommage. La contre-attaque finalement ne donne rien. La transition semblait bien négociée. C'est la finition qui a encore péché. Gonçalo Inacio. Il y a de l'espace pour le Sporting sur le côté. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Bien joué, pas de faute là-dessus. Récupérer ça. Et un peu de champ là pour le Sporting dans le couloir. Du monde disponible à la tombée du ballon. Oh l'arrêt! Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Le corner bien tiré. Oh
Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond de filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Le centre, il y a du monde. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Kevin De Bruyne. Un bon couverture de balle pour temporiser. De Bruyne. Le ballon dangereux de De Bruyne. Oui, bien fait, c'est pour Haaland. Et voilà le but! Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Le ballon pour Jack Grealish. Gundogan! Eh oui, le bon réflexe. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Phil Foden, il a du champ là dans le couloir. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Là une faute pour Manchester City. Ballon bien frappé en direction de la surface adverse. Ah, mal donné le centre, c'est facile pour le gardien. Et c'est pour Phil Foden. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Quelle puissance dans cette frappe et ça rase la barre. Gundogan. De Bruyne. Et c'est pour Phil Foden. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Pas très bon ce centre, sans problème pour le gardien. Une balle jouée en profondeur. Attention, ce n'est pas fini. Et là, c'est le ballon qui sort et c'est donc un corner.
Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le corner. Et le gardien capte le ballon sur ce corner pas évident à négocier. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Kevin De Bruyne a de l'espace sur l'aile. Ah non, finalement le ballon est perdu. Avec Kevin De Bruyne. Jack Grealish. Attends, l'envolé. C'est un changement pour Manchester City. Petite combinaison avec Gundogan. Arrêt sans difficulté pour Antonio Rada. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Le ballon pour Jack Grealish. Et maintenant Haaland. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Et par Haaland, Antonio Haaland. Et le ballon passe tout près du but.
Voilà, le remplacement intervient. Ricardo Esgayo. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Un ballon rendu à l'adversaire. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Le contre est possible. Et Riyad Mahrez avec le ballon. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Et un arrêt qui fait du bien. Substitution pour Manchester City. Coming off the pitch. Number 8, Ilkay Gundogan. To be replaced by number 20, Bernardo Silva. L'équipe tente une combinaison. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Le ballon vers la surface de réparation. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et ballon capté sans problème pour Ederson. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Magnifique, quelle passe! Attention, le face-à-face est raté. N'a jamais rien de facile dans le foot. Akanji. Et on en reste là pour ce match retour et donc sur leur terrain, devant leurs supporters. Qualification validée pour la suite du tournoi. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. Offensivement, défensivement et aussi dans l'attitude et l'ambition. La qualification pour le tour suivant est largement méritée. Mais peut-être qu'on en attend toujours un petit peu trop, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, sa prestation aujourd'hui, elle n'est pas là. Grealish à la réception.